Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah al-Sissi qui a déclaré hier que l'Égypte et l'Arménie aspiraient à augmenter le volume des échanges commerciaux entre eux et la présence d'investissements dans chacun des deux pays proportionnellement au niveau distingué de leurs relations politiques. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian tenue au terme de leur entretien au Caire. La rencontre a porté aussi sur un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la situation dans la bande de Gaza. Plus tôt dans la journée, le président Abdel Fattah al-Sissi a tenu une séance de discussion avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian. Les pourparlers ont abordé des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Le président al-Sissi et le premier ministre arménien ont organisé une cérémonie de signature d'un certain nombre de mémorandums d'accords conjoints entre les deux pays dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture et de l'économie. Sally Hamid. Le Premier ministre Dr Mustapha Medbouly a déclaré mardi que des cabinets conseillers internationaux ont commencé à conceptualiser le plan de développement global de la ville de Ras Al Hikma, située sur la côte nord-ouest de l'Égypte, rapporte un communiqué du Conseil des ministres publié au terme de l'entretien entre M. Medbouly et le ministre émirati de l'investissement et directeur général du Fonds de développement d'Abu Dhabi, Mohamed Hassan Al-Souidi. La réunion avait pour objectif de suivre les procédures exécutives du projet de Ras Al Hikma et les démarches entreprises par la partie émirati pour préparer les plans de la ville. M. Medbouly a affirmé qu'un comité ministériel sera formé sous la présidence afin de faciliter les procédures, surmonter les obstacles, résoudre les problèmes et faire la coordination entre les autorités compétentes afin de mettre en œuvre les engagements de l'Égypte dans ce projet. Le Premier ministre a indiqué que plusieurs emplacements ont déjà été proposés pour la construction de l'aéroport qui doit desservir la ville de Ras el-Hikma. Le chef du gouvernement a réaffirmé que l'État égyptien veut garantir le succès de cet important projet de développement et en faire un modèle réussi qui aide à attirer les investissements étrangers directs et à établir d'autres partenariats d'investissement qui génèrent un rendement significatif. Pour sa part, le ministre de l'Investissement des Émirats arabes unis a déclaré « Nous avançons dans les procédures. Nous nous sommes engagés à transformer la région de Ras el-Hikma en une importante destination côtière. » Le président Abdel Fattah al-Sissi a reçu le général d'état-major Nasser bin Hamad al-Khalifa, conseiller à la sécurité nationale et chef de la garde royale et secrétaire général du Conseil supérieur de la défense bahreïni et la délégation qui l'accompagne. Selon le porte-parole de la présidence, le général Nasser a remis au chef de l'État un message verbal de la part du roi de Bahreïn, Hamad bin Issa al-Khalifa, portant sur les relations historiques liant les deux pays et le soutien apporté par Bahreïn au rôle assumé par l'Égypte face aux multiples défis intérieurs et extérieurs. Le porte-parole de la présidence a souligné que l'entretien avait abordé la situation à Gaza et les efforts déployés par l'Égypte pour aboutir à une accalmie et à l'acheminement des aides humanitaires aux Palestiniens. Le Premier ministre Mustapha Medbouly s'est entretenu avec le ministre de l'Investissement des Émirats arabes unis afin de suivre les procédures du méga projet de développement de la ville de Ras al-Hikma. Le chef du gouvernement a déclaré qu'un comité ministériel sera formé sous sa présidence afin de faciliter les procédures, surmonter les obstacles, résoudre les problèmes et faire la coordination entre les autorités compétentes afin de mettre en œuvre les engagements de l'Égypte dans ce projet. Salih Hamid. Le président Abdel Fattah al-Sissi a souligné que les discussions qui ont eu lieu mardi avec le premier ministre d'Arménie confirment l'aspiration à augmenter le volume des échanges commerciaux
entre les deux pays et la présence des investissements dans chacun d'eux proportionnellement au niveau distingué de leurs relations politiques. Le président Sisi a exprimé sa joie de recevoir le premier ministre de la République d'Arménie et la délégation qui l'accompagne lors d'une visite qui confirme l'intérêt et la détermination des deux parties à renforcer et développer leur coopération afin de réaliser les intérêts de leur peuple. Au cours de ces discussions avec le Premier ministre d'Arménie, ils ont affirmé leur volonté de transférer l'expertise égyptienne dans les domaines des infrastructures, de la construction, des transports et de la production d'énergie vers la partie arménienne et de discuter des moyens de bénéficier de l'expérience des entreprises arméniennes dans le domaine de l'intelligence artificielle. De même, les entretiens ont témoigné l'importance d'activer le rôle des mécanismes institutionnels existants entre les deux pays, surtout le comité mixte de coopération économique, scientifique et technique et le forum des hommes d'affaires pour renforcer les voies de coopération bilatérale au cours de la période à venir. Dans ce contexte, le président Sisi a exprimé sa fierté quant au niveau de coopération et de coordination existant et continue entre les deux parties dans diverses instances internationales. Il a passé en revue avec le premier ministre arménien les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et instaurer le calme en Cisjordanie afin que la cause palestinienne puisse être réglée grâce à un État palestinien souverain selon les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes de la légitimité internationale, avec le rétablissement de la paix et de la coexistence dans la région au lieu des guerres, de la destruction et la dévastation. Le comité de la politique monétaire a décidé dans sa réunion extraordinaire de relever les taux de dépôt des emprunts et le taux de change de 600 points de base pour atteindre respectivement 27,25% et 28,25% et 27,75%. La Banque centrale d'Égypte a également décidé de relever le taux d'intérêt à 27,25%, soit une hausse de 6%. La BCE a ajouté qu'avoir un taux de change fixe aidera à minimiser la demande accrue de la devise étrangère. La Banque nationale d'Égypte a émis un nouveau certificat de 3 ans à un taux annuel décroissant de 30% pour la première année, 25% pour la deuxième année et 20% pour la troisième année. Le rendement sera versé sur une base annuelle. Le comité ALCO a également décidé de modifier le taux de rendement du certificat de platine à 3 ans à rendement fixe pour le faire passer à 21,5% par an pour les nouvelles émissions à compter d'aujourd'hui, 6 mars 2024, au lieu de 19%. Le président américain Joe Biden a exhorté le mouvement palestinien Hamas à accepter un cessez-le-feu à Gaza avant le Ramadan. La question d'une trêve entre Israël et le mouvement palestinien faisant l'objet de discussions qui entrent aujourd'hui dans leur quatrième jour. Le point. Cinq mois de combat entre l'armée israélienne et le mouvement Hamas ont plongé la bande de Gaza dans une crise humanitaire, en particulier le nord, difficilement accessible, où la faim atteint des niveaux catastrophiques, selon le programme alimentaire mondial PAM. Le PAM a annoncé qu'un de ses convois humanitaires sans premier à destination du nord de Gaza, depuis 15 jours, a été pillé par une foule désespérée, après avoir été bloqué à un checkpoint israélien à l'intérieur du territoire palestinien. Face à la catastrophe humanitaire, les États-Unis, principal soutien d'Israël, font pression pour un cessez-le-feu avant le Ramadan, qui commence le 10 ou le 11 mars. Depuis des semaines, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis tentent d'obtenir une trêve de l'agression israélienne contre les civils palestiniens. Le plan discuté prévoit une trêve de 6 semaines qui permettrait la libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël, ainsi qu'une augmentation de l'aide humanitaire le territoire palestinien assiégé. Israël rejette ces conditions, assure que l'offensive se poursuivra jusqu'à la victoire totale et, selon des médias, demande aussi une liste précise des otages retenus à Gaza.
L'offensive israélienne a fait au moins 30 631 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé. Les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est, l'Asie et d'Australie ont appelé ce matin à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, qualifiant la situation humanitaire dans le territoire palestinien de désastreuse, dans un communiqué commun. Dans un communiqué commun, les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN et d'Australie ont demandé instamment un cessez-le-feu humanitaire immédiat et durable à Gaza. À Melbourne, ils ont d'autre part mis en garde contre les actions qui menacent la paix en mer de Chine méridionale, où le comportement de plus en plus belliqueux de Pékin suscite l'inquiétude. Les tensions dans ce corridor maritime ont ravivé en début de semaine quand des navires chinois naviguant dans ces eaux contestées ont été accusés d'avoir harcelé des bateaux philippins. Les dirigeants de l'ASEAN et d'Australie ont dit encourager tous les pays à éviter toute action unilatérale qui menacerait la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Mardi, Canberra a annoncé en marge du sommet ASEAN-Australie vouloir augmenter ses investissements en Asie du Sud-Est en consacrant 1,3 milliard de dollars à favoriser l'activité commerciale dans une région au pouvoir économique croissant. Le Premier ministre a déclaré que l'avenir de l'Australie se trouve en Asie du Sud-Est, plus que dans n'importe quelle autre région. Les mesures annoncées par l'Australie prévoient des aides à l'exportation et des prêts orientés principalement vers le financement d'infrastructures et de projets d'énergie renouvelable. Il s'agit de la plus importante annonce concernant les liens économiques de l'Australie avec l'ASEAN en une génération. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.